Lundi 12 décembre, l'équipe d'Info 83 était présente pour la troisième rencontre de l'Umitour 83. C'était dans l'une des trois salles de réunion de l'hôtel de charme L'Hôtel à Toulon, plus précisément dans le quartier rénové de la rue des Arts. C'est Alexandre Durand-Biel, vice-président de l'UMI 83, qui a présidé cette troisième rencontre. L'idée, c'est que le conseil d'administration de l'UMI puisse rencontrer les professionnels, leur donner la parole, les écouter et relayer leurs problématiques. Ça a permis aussi, effectivement, aujourd'hui, d'aborder deux thématiques très intéressantes. D'une part, présenter les fluctuations de l'énergie et quelles sont les solutions que l'on peut y apporter, car des solutions existent. Et d'autre part, avec une forte inflation aussi des coûts de mutuelles. Donc nous avons eu nos partenaires de Colonna qui nous ont fait des offres qui vont permettre d'éviter cette augmentation de 40% que nous inflige Clésia ou que souhaite nous infliger Clésia depuis le mois de juillet 2022. À noter aussi qu'aujourd'hui, donc, nous avons eu Martine et Valentin de Var Tourisme et qui nous ont expliqué tout ce qu'ils font pour défendre notre territoire. Des rencontres a priori très utiles pour les professionnels, comme nous le précise ce restaurateur présent. Je suis très satisfait qu'il y ait ces réunions, d'abord parce qu'il y a des rencontres entre professionnels, et puis on apprend plein de choses. Aujourd'hui notamment, c'était des sujets très importants, les mutuelles et l'énergie, donc on apprend plein de choses, et puis on peut se retrouver, et c'est vraiment très très important, et je suis vraiment... Il ne faut pas que ça s'arrête en tout cas, qu'on en refasse d'autres. Voilà un autre aperçu des rencontres de l'Umitour 83. Pour y participer, contactez directement l'Umi 83.